Donc, dans ces activités de coordination, les grands acquis que la composante 5 a enregistrés, c'est justement la bonne coordination interne du projet qui a été bien assurée à travers donc, les accompagnements que nous faisons aux différentes activités des composantes. On peut citer, entre autres, d'abord, comme une grande et principale activité, la mise en cohérence des interventions. Donc, un travail de départ a été fait sur les cadres logiques d'abord de toutes les composantes pour qu'il y ait une mise en cohérence verticale et une mise en cohérence horizontale, de façon à ce que les activités qui sont produites, qui sont réalisées, qu'ils soient versés dans un cadre logique unique, de façon à ce que l'impact soit ressenti par les mécanismes globaux de mise en œuvre du projet. Nous avons aussi accompagné ces composantes-là en matière de suivi et évaluation. Il y a donc le dispositif de suivi et évaluation qui a été donc bien assuré. D'abord, après avoir finalisé le cadre logique, le dispositif a été donc appuyé par la mise en place donc de tous les outils de suivi et évaluation. Ensuite, les outils pour les collectes des données et l'information par rapport à ces différents cadres logiques et aussi toutes les questions en lien avec les analyses qui doivent être portées donc sur les cadres logiques par rapport aux résultats qu'on recherche, notamment les cadres de mesure de rendement pour apprécier les performances dans l'évolution donc de la mise en œuvre des différentes composantes. Et là aussi au niveau de la coordination interne, toute la dynamique des concertations et des réunions régulières que nous organisons pour amener les composantes à se parler, à se communiquer, à s'organiser également sur des missions de terrain de manière conjointe, de façon à ce qu'on ressente la dynamique d'ensemble, la synergie dans les activités. À ce niveau, au-delà des réunions régulières que nous faisons, il y a aussi des instances de concertation qui sont justement les CTP. Depuis qu'on a démarré en 2019, ça fait le 6e CTP que nous organisons. Donc chaque année, on organise après chaque semestre un CTP pour faire le point de l'état d'avancement du projet et recevoir les grandes orientations des différents membres de CTP qui sont des instances de la région, notamment la CDAO, l'UOMOA et même la délégation de l'Union européenne avec les points focaux pays qui supportent donc l'encadrement de la mise en œuvre du projet. Dans cette dynamique également de la coordination interne, nous avons instauré les dispositifs de points focaux pays. Ça, c'était pas prévu initialement sur le projet, mais ce dispositif a permis donc d'aboutir à un ancrage institutionnel solide de différentes interventions de nos composantes dans le pays, et ce qui va donc permettre d'assurer une bonne durabilité, une bonne pérennisation des activités que les composantes sont en train de faire. Au niveau de notre composante coordination, on a fait un outil cartographique qui permet donc d'identifier toutes les initiatives qui se réalisent donc dans les différents pays du Prédit en termes de projets réalisés, des projets déjà même clôturés et des initiatives en cours, de façon à ce que qu'on puisse établir à travers cette cartographie une bonne synergie. Le dernier élément de l'intervention au niveau de la coordination 5, c'est surtout les aspects en lien avec la capitalisation et la communication. Il est vrai que les projets réalisent beaucoup de choses sur le terrain, ils mènent beaucoup d'activités, mais il est important à un moment de savoir tirer quelles sont les bonnes leçons de ces différents projets-là. Dans cette logique également de mise en valeur des activités du Prédit, nous avons assuré beaucoup d'activités de communication. Nous avons un site web qui est développé, nous avons des réseaux qui sont donc aussi développés, nous avons des bulletins aussi qui sont produits et plusieurs produits donc, de communication sont également soumis. Les défis majeurs par rapport à ces projets, selon ce que nous avons retenu, c'est qu'il y a un environnement très changeant du point de vue contextuel. Il y a les questions de la COVID-19 qui est survenue et qui impose toute une réalité assez contraignante de travail. Et nous sommes un projet donc régional et on intervient beaucoup plus au niveau transfrontalier. Donc à ce niveau, il y a quand même quelques éléments de défi qu'il faut dire. Il y a aussi la question de l'insécurité civile dans certains pays, ce qui rend assez complexe également les données de mise en œuvre des projets sur le terrain par rapport à ces aspects-là. Il y a également la notion même de perception sur la mobilité pastorale qui a une variabilité
d'interprétation. Et à ce niveau, il est important de songer à ce que les adaptations par rapport aux politiques nationales des interventions dans le domaine de l'élevage qui sont soulevées au niveau du pays. Surtout dans les pays côtiers, on a la notion beaucoup plus de la réduction de la mobilité, il y a également la fermeture des frontières pour la transhumance, l'interdiction ou la suspension des transhumances dans certains pays. Donc ce sont des éléments du contexte qui constituent des défis majeurs par rapport auxquels le crédit, malgré les grands efforts, en dépit des grandes réalisations, il y a quand même également beaucoup de réflexions à développer au point de vue stratégique sur le futur, s'il y a des nouvelles initiatives à formuler ou bien s'il y a des nouveaux projets qui démarrent. On peut capitaliser ces éléments de défis pour les jeter dans les réflexions.